أن أطلق بنك ناتكسيس الجزائر أول مصرف متنقل، حيث يتيح للزبون فرصة إجراء مختلف تعاملاته المالية عبر تطبيق بانكسي، التطبيق الذي يمكن تحميله على بلاي ستور أو جوجل بلاي. سيخدم المستخدمين أو سيوفر لهم التنقل، ويبقى فقط تحميل التطبيق ومتابعة مراحل التسجيل، ليتم في المرحلة الأخيرة إبرام عقد بين الزبون والبنك. التغطية لجليلة بالحاج. Aujourd'hui, Natixis Algérie lance la première banque mobile en Algérie. Donc pour nous, c'est une grande fierté. C'est une aventure algérienne. Banque mobile permet des choses assez simples, c'est-à-dire que tout Algérien sur le territoire national, donc il n'y a pas de contraintes de territoire et de localisation, peut ouvrir un compte bancaire à partir de son téléphone mobile par visioconférence, ce qui lui permet par vidéo d'ouvrir son compte bancaire. Il y a une série de processus à respecter, mais c'est assez simple. Ça dure 10 minutes, 10 à 15 minutes selon les personnes. Il reçoit chez lui les documents qu'il doit signer par nos agents, qu'il apporte à l'adresse qui lui est indiquée. Une fois ces documents signés, on peut ouvrir son compte. Il peut commencer à déposer de l'argent, soit par virement, soit par chèque, soit par dépôt de cash dans une de nos agences sur le territoire national. Possibilité pour ouvrir, pour alimenter son compte. Donc soit il a déjà un compte, donc il peut faire un virement via son premier compte. Soit il peut profiter du passage d'un de nos agents pour, au moment de lui remettre ses moyens de paiement ou la sans code, le client donc peut lui remettre un chèque à l'encaissement. وفي سياق نبض السلع، أكد المدير العام بمصرف ناتكسيس جوزيف بوريس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حسابات المستخدمين. Nous avons pris la meilleure technologie qui existait dans le monde pour pouvoir sécuriser les applications, aussi bien nos infrastructures que sur le mobile, puisque nous apportons aussi la sécurité sur le mobile, que dans le parcours du client, puisque nous avons mis des codes, des super PIN, des traces digitales par